Alors Noah, t'as une petite copine? Non. Elle est comment? Elle est blonde? Elle est forte à l'école? Ses parents ils font quoi comme travail? C'est quoi sa moyenne? Mais j'ai pas de... Elle a quel âge? Elle est dans ton lycée hein? Tu me dis pas qu'elle est pas suisse? Mais j'ai pas de copine! Ah! Tu vois le couple là-bas? Oui. Leurs parents doivent être fiers hein. Oui, ma mère, comme la majorité des mères je suppose, est ce genre de meuf qui veut absolument que je trouve une copine. A chaque fois qu'on croise un couple, elle est toujours obligée de bien les analyser et de me dire. Leurs parents doivent être fiers, hein. Je tiens juste à préciser que cette vidéo est parfois à base de clichés sur les mères. Et que bien sûr, je parle quasiment toujours d'une généralité. Ou pas. Ma mère, quand tu lui demandes d'aller acheter un Mars ou un Snickers parce qu'on passe à côté en voiture par exemple, si tu lui dis rien, elle est capable de te ramener tout le distributeur. Ah, tu peux juste me prendre un Snickers en passant s'il te plaît? Oui, pas de soucis. Tu veux un paquet de M&M's aussi? Non, c'est bon. Allez, je sais que t'adores ça, juste un, allez. Non, mais non, c'est bon. Mais juste un, t'es sûr que tu veux pas? Non, c'est bon, merci. Bon, allez, j'en prends juste un, si jamais tu manges pas, si tu veux pas. Non, parce que comparé à mon père, c'est plutôt l'opposé. Genre lui, si tu lui dis que t'as faim pour un Snickers, il est plutôt du genre à te ressortir le reste de pâtes d'il y a 2 semaines avec des vieilles tomates. Et tout ça dans un petit tupperware bien emballé avec un petit élastique. Cette phrase était beaucoup trop longue. Qui dit mère, dit rangement. Désolé pour l'égalité homme-femme, mais je vous avais prévenu. Et qui dit rangement, dit jeté. Là, j'en ai plein, c'est à moi. Non, mais tu les as pas utilisés depuis 3 ans, c'est bon là. Oui, mais on sait jamais. Comme la majorité des mères, la mienne change considérablement de comportement quand on est avec ou sans des amis. Avec des amis. Mon fils, il est très célèbre, hein. Il fait comme Cyprienne. Il a 1 million d'abonnés, là. Non, j'ai 1000 abonnés, pas 1 million. Ah, non. Oui, enfin 1 million, 1000, je veux dire, c'est pareil. Mais il est célèbre, hein. Sans des amis. Mais tu veux pas t'occuper un petit peu de tes études, là, au lieu de toujours faire tes clac sur ton ordi, là. S'il y a un truc qui est très chiant, surtout quand t'es un geek, c'est que les mamans, ça demande toujours toutes les 2 secondes si ça va. Et quand t'es dans ta chambre et que tu sais pas ce qu'elle veut, t'es obligé de quitter ta game, alors qu'au final, il n'y a pas grand chose. Ça va? Quoi? Ça va? Stop! Message important à tous les parents. On ne peut pas mettre pause sur un jeu en ligne. Merci. Quoi? Ça va? Quoi? Ça va ou pas? Tu voulais quoi? Rien, c'était juste pour savoir si ça allait. Ma mère est une personne qui gère très bien le stress. Ou pas. Si tu as la malchance d'être sur son passage quand elle est en stress, tu verras tout de suite que c'est pas hyper cool. Non, mais c'est pas possible, il est pas capable de payer ses impôts, celui-là. Ah, juste maman, tu crois que je peux... Quoi? Qu'est-ce que tu demandes encore? Toi, t'en as pas eu assez ou bien? Fais tes devoirs maintenant, c'est clair? Non, je vois pas de quoi tu parles, je veux juste demander si je pouvais prendre ta calculatrice. Ma maman fait partie des personnes qui ne demandent jamais rien, mais qui veulent que tu fasses tout. De toute façon, c'est toujours moi qui dois tout faire ici. Tu m'as même pas dit que... Oui, c'est toujours moi qui fais tout dans cette maison. D'accord. Mais bon, c'est quand même une des personnes les plus importantes à mes yeux. Et si je devais dire toutes ses qualités, la vidéo serait beaucoup plus longue. Et un peu moins drôle aussi. Franchement, pour tout ce que tu as pu faire pour moi jusqu'à présent, merci.